Salut à toutes et tous. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Attendez. Ah là, c'est parfait. Salut à toutes et tous. Comme vous l'avez vu dans le titre ou sur Instagram, j'ai fait ce magnifique compteur d'abonnés interactif, comme ça je sais que l'un d'entre vous appuie sur le petit bouton rouge. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez des idées de projets pour les futures vidéos, mettez ça en commentaire, j'irai voir ça. Ce projet regroupe de la programmation, de l'électronique, un tout petit peu d'impression 3D. Et aussi un peu d'imagination, je vous l'accorde. Donc moi, j'avais déjà un gyrophare parce qu'on m'en a offert un le jour où j'ai eu ma première voiture, mais sinon c'est facilement trouvable sur internet. Ensuite, j'ai pas utilisé un Arduino mais un ESP32, tout simplement parce que j'avais besoin de suffisamment de broches pour reconnecter le gyrophare et le petit écran, et aussi parce qu'il intègre déjà une antenne Wi-Fi, ce qui est très pratique. J'ai utilisé un afficheur 7 segments avec des petits bouts de câble. Un relais qui me permet de piloter du 12 volts à partir du 5 volts et un transistor qui me permet de piloter du 5 volts à partir donc du 3,3 volts, ce qui est la tension délivrée par les broches de l'ESP32. J'ai utilisé un abaisseur de tension pour pouvoir contrôler le gyrophare en 12 volts et l'ESP32 en 5 volts avec une seule alimentation. Ah oui, et j'ai aussi commandé des PCB vierges, comme vous me l'avez conseillé dans la dernière vidéo où j'installe mon capteur d'empreinte sur ma porte de chambre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Et j'ai reçu ce matin de AliExpress. Tout d'abord, je code le programme et je teste en même temps sur la breadboard pour voir si tout fonctionne correctement. Ensuite, une fois que tout fonctionne, je dessine tout le circuit pour pouvoir tout retirer et passer à la brasure. Mais avant ça, j'ai imprimé une petite boîte afin que ça fasse un peu plus propre. Donc voilà, j'ai enfin reçu ce que j'attendais de Chine finalement. C'est un petit module qui permet de transformer entre 4 et 40 volts et avoir une sortie variable que je peux choisir entre 0 et 37 volts. Ce qui va être pratique puisque le gyrophare lui est alimenté via cette alim, donc qui est en 12 volts. Voilà. Et le SP32, lui, doit être alimenté en 5 volts ou en 3,3. Mais moi, je vais l'alimenter en 5 volts. Donc, c'est pour ça que j'attendais cette pièce pour pouvoir avoir une seule alimentation pour tout le boîtier. Et donc là, je vais d'abord le tester pour voir si ça fonctionne bien.
on teste tout ça. Et on se débrouille pour que tout rentre à l'intérieur de la boîte. Et voilà, c'est terminé. Bon alors, pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, en fait, le programme utilise l'API de YouTube pour faire une requête, c'est-à-dire une demande. Et donc, il demande à YouTube combien d'abonnés à ma chaîne, environ toutes les 5 secondes. Le programme stocke ce nombre et l'affiche sur cet écran. Et ensuite, il est comparé au nombre maximum que ma chaîne a eu d'abonnés. C'est-à-dire que si je suis à 240, par exemple, le gyrophare ne va s'allumer que si j'atteins les 241. J'ai fait ça pour éviter que les gens s'abonnent et se désabonnent toutes les 5 minutes, et me réveille à 4h du matin. Je vous connais, bande de petits filous. Et donc, ici par exemple, si j'atteins 242, l'ESP active le relais, ce qui alimente le gyrophare pendant environ 5 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci aux 0,5% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont abonnées. Pour les autres, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Allez, sur ce, tchuss !